commence avec la main droite. Et donc, je ferai toujours pouce, pouce, IMA. Par exemple, la première mesure, je joue l'accord de Do. Troisième doigt, deuxième et premier doigt. Donc, troisième sur la cinquième corde, deuxième sur la quatrième et premier sur la deuxième corde. Et je vais faire pouce, pouce, IMA. Et ensuite, IMA. Ce qui fait... Donc ces doigtés, je vais toujours les faire comme ça, et parfois je vais jouer sur la sixième corde et la quatrième, mais c'est toujours la même chose. Pouce sur la sixième, pouce sur la quatrième, et ensuite IMA, et la même chose IMA. Et donc, les doigtés sont toujours les mêmes de la main droite, et je joue toujours des doubles croches. Donc on commence. J'ai la corde Do, et donc je fais... Mesure 2, je garde le troisième doigt sur le Do, mais je mets le deuxième sur le La, le quatrième sur le Ré et le premier sur le Fa. Et là, je dois faire attention parce que j'ai le Ré, qui est en fait la corde à vide, mais j'ai le troisième doigt et le deuxième, et donc je dois être vraiment attentif parce que sinon, elle ne va pas bien résonner. Donc j'ai le Do, et maintenant, je rajoute le deuxième doigt, et le quatrième et le premier, et c'est les mêmes, donc c'est exactement la même chose avec la main droite. Ensuite, je mets le deuxième doigt sur le Si, quatrième doigt sur le Ré, premier doigt sur le Fa, et j'ai. Donc la main droite est exactement la même chose. Je passe à la quatrième mesure, qui est la même que la première, donc avec le Do. Maintenant, je fais attention à une chose, c'est que la dernière note, ça sera donc le Mi, j'enlève déjà les mains pour me préparer à jouer ce que je vais jouer ici. Donc, je suis à la quatrième mesure. Donc, exactement quand je joue le Mi, je pars. Et je mets le deuxième doigt sur le Do, mais à la sixième corde. Et ensuite, je vais faire un barré. Je mettrai le troisième doigt sur le Mi et le quatrième sur le Ré, le La, pardon. Et donc ça fait... Donc les doigtés sont les mêmes. Pouce, 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 I, M, A, I, M, A. Sauf que maintenant je joue à la sixième, et là c'est la deuxième corde avec le à l'annulaire. Je joue maintenant à partir de la mesure 4. J'ai pas encore mis le troisième et le quatrième doigt. Je les mets seulement quand j'en ai besoin. Donc je fais... Je suis à la mesure 4 maintenant. Et là, je les mets. Maintenant, je passe à la mesure 6. Je garde le deuxième doigt sur le Do, mais j'enlève le reste. Et je mets le troisième doigt sur le Fa dièse. Et je fais les doigtés. Pouce, pouce, I, M, A. Comme avant. Là, c'est un peu difficile parce que donc je joue, je suis à la mesure 6. Et je dois aller à la mesure, donc à la mesure 7, à la deuxième case. Et donc là, je fais attention ici à placer mon premier doigt, juste le premier doigt sur le Si. Et ensuite, je rajoute le reste. Et le reste, c'est le troisième doigt sur le Ré, le quatrième doigt sur le Sol. Et les doigtés sont toujours les mêmes. Pouce, pouce, I, M, A, I, M, A. Sauf que maintenant, la première fois je joue donc, et c'est le premier doigt, parce que je viens d'ici. Et donc j'ai mon premier doigt. Mais là maintenant, la deuxième fois, je mets le deuxième doigt, parce que je prépare ce que je vais jouer après. Donc la première fois, deuxième. Et maintenant, je garde le deuxième doigt, je mets le troisième doigt. Et je mettrai le premier doigt sur le Do, donc 2, 3, ça c'est la mesure 8, donc j'ai le deuxième doigt, le troisième doigt et le premier.
arrive à la mesure 9, j'ai simplement enlevé le deuxième doigt. La mesure 10, je garde le premier doigt, je mets le troisième sur le La et le quatrième sur le Fa dièse. Mesure 11, je mets le troisième doigt sur le Sol et le quatrième doigt sur le Sol. Mesure 12, je mets le premier doigt sur le Mi, donc je garde le troisième doigt, le premier doigt sur le Mi, le quatrième doigt sur le Si bémol et le deuxième doigt sur le Do dièse. Et donc pour faire ça, comme je suis ici, je mets d'abord le premier, quatrième, et là je déplace un peu la main pour mettre le deuxième. Donc ça sera... Là je suis à la mesure 13. Maintenant, je mets le premier doigt, le Ré à vide, le troisième doigt sur le La, le Ré, et là, le Fa avec le deuxième doigt. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc je fais très attention que mon poignet, en fait, il est bien ouvert parce que ça me donne la possibilité d'avoir le premier doigt et le deuxième doigt comme ça. Si mon poignet est ici, je n'y arrive pas. Je dois serrer et là, c'est compliqué. Et donc, j'ai cette position. Et ensuite, je rajoute le troisième et le quatrième. Ça veut dire que si je prends de la mesure 4-12, je suis ici. Place maintenant pour la mesure 13 en faisant bien attention que j'aurai cette position. Mesure 14, j'ai la même basse, mais là c'est le deuxième doigt et le troisième doigt, et donc j'ouvre encore un peu plus pour pouvoir mettre le troisième doigt. Donc je refais 12, 13, 14. Maintenant, je mets le deuxième doigt sur le Mi, le premier sur le Do, le quatrième sur le Sol. Et je joue toujours pouce IMA, pouce pouce IMA. Mesure 16, j'ai le Mi à vide, je change la position de la main parce que je vais avoir le troisième, le quatrième, le troisième et le barré. Ça sera. Pourquoi j'utilise le troisième, le quatrième et le troisième? Je laisse le deuxième libre parce que j'ai besoin du deuxième à la mesure 17. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser ces doigtés. Donc si je suis à la mesure 15, je fais ça. Et à la mesure 16, regardez mon poignet. Vous voyez, je suis comme ça. Et je passe à ça, parce que je dois monter mon quatrième doigt. Et donc je fais ça. Maintenant, je mets mon deuxième doigt sur le Fa, parce que c'est pour ça que je l'avais libre. Et je garde donc le troisième et le barré du premier qui va jouer la première corde et la deuxième. Et je garde cette même position de la main. Donc, mesure 15, je suis comme ça. Mesure 16. Mesure 17. Mesure 18. Quatrième doigt sur le Sol. Premier doigt sur le Fa de la première corde. Passe à la mesure 19. Do. Vous voyez comme je renverse la main, je suis comme ça. Hop, comme ça. Donc de là à là. Je ne fais pas juste le travail des doigts, je ne fais pas ça, mais je fais comme ça, je place bien et après je place les doigts. Là, c'est la même chose en fait que la première mesure. Maintenant, j'ai qu'à rajouter le quatrième doigt sur Si bémol pour un Do septième.
Maintenant, j'ai pas mal de. En fait, je vais placer le premier doigt sur le Fa. Ce que je fais, c'est que je libère comme avant quand j'ai le Mi. Voyez? J'ai libéré quand il y a le Mi. Et là, je place le premier doigt sur le Fa, le quatrième sur le Fa, le deuxième, le troisième sur le La, le deuxième sur le Do. Faire un barré à la deuxième case. Donc la première chose, je fais le barré. Donc je déplace, je fais le barré. Et là, je place le deuxième doigt sur le Do, le troisième doigt sur le Fa dièse, le quatrième doigt sur le Mi bémol. Là aussi, je n'ai pas besoin de placer tout en même temps. Ça, c'est la première note que je vais avoir. Regardez bien, je vais jouer ralenti. Là, vous regardez bien comment je mets les doigts. Donc, je les mets un à la fois. Et là, donc. Maintenant, je passe à la troisième case. Donc, je déplace d'une case. Je mets le deuxième doigt sur le La bémol. Je mets le troisième doigt sur le Ré. Je mets le quatrième doigt sur le Do. Ce qui donne. Ensuite, je libère tout pour la mesure 24. Ah non, pardon, pas encore, parce que je vais faire Sol. Maintenant, je fais un accord de Sol septième. Je laisse le troisième doigt, j'enlève le quatrième, je mets le deuxième doigt sur le Si, donc la troisième corde à la quatrième case, et je fais exactement la même chose ici. Donc ça, c'est la partie un peu difficile parce qu'il y a ces barrés. C'est maintenant où j'enlève les doigts et j'ai le quatrième doigt sur le Sol et le premier sur le Fa. Pourquoi le quatrième et pas le troisième? Parce que vous allez voir que la mesure d'après, j'ai besoin de mon troisième. Et j'ai besoin donc de quatrième ici, et donc c'est beaucoup mieux d'avoir directement ce doigté-là pour cette mesure. Donc je suis à la mesure 25. Je fais le barré, donc, pas de barré, pardon, pas de quatrième, deuxième sur la quatrième corde, premier doigt sur le Do. Donc ce qui fait. Je reprends d'avant. Quatrième, deuxième, premier. Donc quatrième sur le Sol, deuxième sur le Mi et premier sur le Do. Donc là aussi, je fais attention à ma position de la main, comme ça. J'ai pas besoin d'avoir le quatrième doigt plié. Je l'ai assez droit. De toute façon, j'ai pas besoin de la cinquième. Même si je touche la cinquième, il n'y a vraiment aucun problème. Et là, je suis plus confortable en fait que si je devais jouer comme ça. Maintenant, je passe à la mesure 26. Je garde mon quatrième doigt, mais je fais un barré avec le premier doigt sur les deux premières cordes. Ensuite, j'enlève le barré et je mets le premier doigt sur le Fa. Et maintenant, j'ai le quatrième doigt, donc je suis à la mesure 28. Je fais un barré, ça va être assez compliqué. Donc je fais un barré, j'ai le premier doigt qui est droit, où je joue le Mi bémol. Donc j'ai le quatrième, j'ai le Mi bémol, j'ai le La que je joue avec le troisième. J'ai le Do avec le barré et j'ai le Fa dièse avec le deuxième. Ça veut dire. Ça, c'est peut-être le passage le plus difficile. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Comment on va le pratiquer? On a le quatrième, on a le premier. Donc, j'ai une position un peu comme un barré, mais je n'ai pas besoin de faire le barré. Mais le doigt est droit.
Parce qu'en fait, on a le premier, on a le troisième, donc premier doigt, troisième et deuxième. Donc, on a ce doigté. Alors, on ne fait pas comme ça. On a le troisième sur la troisième corde et le deuxième. Donc, j'ai ce doigté et j'ai le quatrième. Donc, peut-être on peut s'habituer à faire cet accord diminué comme ça. Premier doigt, troisième. Premier doigt qui fait le Do et le deuxième. Et après, je rajoute le quatrième. Et donc, j'ai ça. Là, je passe à la mesure 29, où je change complètement la main, hop, comme ça. Donc, j'ouvre complètement ici. Et j'ai le troisième doigt, le deuxième, le premier. Donc, ça, on l'avait fait avant. Mais maintenant, je rajoute le quatrième. À la mesure 30, j'ai toujours le sol avec le barré à la première corde et la deuxième, ce qu'on a fait avant. J'enlève et je mets le premier doigt sur le fa, donc je laisse maintenant le si qui va être libre. Et à la mesure 32, je vais jouer do septième. Ce que je peux faire, là je reviens à la mesure 31. Ensuite, j'utilise ce doigt comme pivot, c'est-à-dire que la note, donc je joue la note et je change la position de la main pour mettre le Do, bien, le Do septième en fait. C'est-à-dire que j'ai deux choix. 31, je joue ça. Et là, je change la main directement et je joue comme ça. Mais il peut y avoir comme une coupure, écoutons ça. Alors, si je veux plus lier, ce que je fais, c'est ça. Et après, je change. Et donc, ça donne. Donc, ça, c'est mon Do septième. Je passe à la mesure 33. Et là, on change complètement donc les doigtés de la main droite. Donc, les doigtés de la main droite sont, à partir de, après cette mesure, 32... sur la troisième, avec le troisième doigt, premier doigt, donc je descends en fait le pouce derrière, je me place comme ça, donc je joue le Do avec M, ensuite je place le quatrième doigt sur le Fa, le deuxième sur le La et je fais pouce, I, M et A avec le premier doigt, donc je refais ça. Et je rejoue M, I. Donc ça fait. Je rejoue encore une fois. Pousse M, pousse I, M, A, M, I. Là, je passe à la deuxième corde avec l'annulaire. A, M, I. M sur la troisième corde. I. Et maintenant, j'enlève les doigts. Ré avec M, quatrième doigt joue Fa avec I, Ré à vide avec M. Je vais répéter ça, mais je vais le jouer une fois lentement. Je reprends la mesure 33. Pousse, M, pousse, I, M, A, M, I. Je passe à la deuxième corde avec A, M, I. Je passe à la troisième corde avec M, M, I. J'enlève les doigts, Ré, donc la quatrième corde à vide avec M. Quatrième doigt sur le Fa et je joue avec l'index. Quatrième corde à vide. Et là, je joue le Do.
mesure 34. Donc je suis avec le Do, avide le Si, avide le Sol, avide le Si, et donc ça fait... Ensuite je joue le quatrième doigt sur le Ré, premier doigt sur le Fa, et ça c'est avec IM, ça veut dire pouce, M, I, M, I, M. Je reviens avec I, j'enlève et je joue le Si à vide avec M. Je refais ces deux temps. Ensuite, je replace mon quatrième doigt, I, A vide, M, troisième corde, I, deuxième corde, M, je joue les trois temps. Et maintenant, il me reste le dernier temps, Ré avec index, Fa avec le quatrième doigt, M, deuxième doigt sur Mi avec index, Ré à vide, et je joue le Do avec poussière. Donc à partir de la mesure 33, lentement, voilà, bon travail! Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de faire like, c'est toujours apprécié. Et si vous allez sur le site et vous voulez faire un don de 1 euro, ben ça sera toujours apprécié parce que ça paye le site et tout. Et ça me permet de continuer. Merci à vous et au revoir!